You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, get what you need. Coucou. Hey, comment ça va tout le monde sur le campus de la Salty Academy? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. J'espère que, comme moi, votre journée a commencé par les Rolling Stones. Non, c'est vrai, vous avez des goûts de merde. Je vous estimate. Remember it. Salut, tu connais DayZ? Oh ouais, DayZ fait partie du top... Allez, on va être gentil. Top 10 des jeux auxquels j'ai le plus joué, je pense. Ouais. Ah, j'ai pas joué à beaucoup de jeux non plus, quoi. Mais Counter doit être le premier, je pense. R6 doit être le deuxième. En termes d'heures, je pense que World of Warcraft arrive toujours troisième. Ouais. En quatrième, DayZ, je dois avoir 1000 heures dessus à peu près. Tarkov doit pas être loin derrière après. Enfin, pas si ouf que ça, mais quelques centaines d'heures, quoi. Voilà. Top 3 jeux favoris? Fortnite? Non. Top 3 jeux favoris? Ah, t'es obligé de mettre R6 dedans, en fait. CS, R6, et le plus compliqué, c'est le troisième, en fait. Voilà, quoi. Je sais pas, en fait. SCS, R6 et je sais pas quoi, en fait, quoi. It Takes Two. Bah le problème de It Takes Two, c'est que It Takes Two, tu vois, tu comprends? Ça prend, ça, il faut deux personnes. Donc voilà quoi. Donc j'attends Mary. Normalement il se lève comme d'habitude vers 17h du matin. Donc voilà quoi. Vous comprenez? Voilà. S'il est là soir, ouais, il y a moyen, ouais. Enfin, s'il est là tout à l'heure, ouais, il y a moyen qu'on part dessus. Je vais leur demander de toute façon, quoi. Tu ne joues plus à WoW alors aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, j'ai joué un an et demi et puis c'est bon, quoi. Non, c'est trop chronophage. Non. Quand tu veux tryhard sur WoW, voilà, quoi. Non, c'est mort. Mary, il est parti se coucher il y a une heure ou deux. What? What the fuck? Tu te fous de ma gueule ou pas? Non, ça... Ah! Bon, bah, il y aura pas de It Takes Two ce soir, du coup. Il était en live à 10h. 10h du matin. Oh, mais non, mais... Mais le mec n'a aucune... A rien, quoi. Y a rien. Y a pas de... Enfin, y a rien, quoi. Y a rien. Il bouffe de la merde, il dort comme une merde. Non, c'est vrai, je confirme, j'étais sur son live. Putain, c'est vrai car il a coupé son live tout à l'heure. Putain, mais je savais même pas. S'il l'avait lancé ce matin, j'aurais lancé ce matin et on aurait fait un It Takes Two, qu'on le termine enfin, quoi. Apparemment, il a pas dormi. Non, mais Mary ne sait pas faire des nuits blanches pour se recaler, quoi. Mary n'a pas de volonté, par définition. Donc en fait, lui, à un moment, il va pas dormir pendant, tu vois, genre 30 heures, 24 heures, enfin bon, on s'en fout. Et à un moment, il va se dire, ok, je me recale. Et là, il est parti faire une... petite sieste. Et il va se lever vers 5h du matin. Et je peux vous le dire, quand il se lève à 5h du matin, souvent, il fait du design. Vous verrez, demain matin, aller sur son live, ce sera de l'art. Ça, je le connais tellement par cœur. Tellement par cœur. Aucune hygiène de vie, Smery. Ouais, aucune hygiène, tout court d'ailleurs aussi. Hein. Il faut qu'on en parle. Hein. C'est la vie d'un streamer. Ah, pas tous, pas de généralité. Hein. FC chômage, Mery. FC stream, en fait. Hein. FC, c'est un taf, quoi. Tu joues à R6 en off ou quand tu es en live? Jouer à R6 en off. Il est con. Jouer R6 pour le plaisir. Ok. Qu'est-ce qu'il est drôle. Ça va pas la tête ou quoi? Hein, voilà. Non. Tu pourrais être son coach de vie ou quoi? Ah, Mary? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, Mary. Mais tu sais, j'ai appris un truc assez récemment et Mary m'avait bien aidé. C'est que tu ne peux pas aider les gens qui ne souhaitent pas être aidés. Retiens ça. Ça, c'est un coach de vie, ça. Et attendez, et la 5G, tu l'as comment en fait? Bon, je sais, avec le vaccin du Covid, mais... Si t'as un forfait 4G, ça passe automatiquement en 5G? Non, c'est une option à payer en plus. Pour un forfait 5G? Merde. C'est plus cher du coup. Ça dépend des forfaits et des opérateurs. Free, c'est le même prix. Ouais, mais... Free, je suis parti. Je l'ai fait pendant des années parce que c'était pour payer. C'était un choix politique. C'est une envie de montrer que Free a débloqué plein de trucs. Le internet illimité, c'est grâce à eux. Et les forfaits illimités au téléphone, c'est grâce à eux, quoi. Mais à un moment, ça m'a vraiment saoulé. Et donc voilà, je suis passé chez Orange, quoi. Surtout pour le taf. Free s'est éclaté, vraiment, il faut fuir Fury. D'accord, ok, mais j'étais en train de vous dire que même si c'est le cas, et je suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation, remerciez Free. À l'heure actuelle, écoutez bien, si Free n'avait pas existé, vous seriez en train de payer des forfaits internet. Internet, hein, on n'est pas en train de parler de téléphone. Hein. Internet, le PC et tout ça, avec des limites en fait, tu vois. Genre 50 gigas téléchargement par mois, 100 gigas téléchargement par mois, et le prix, ce serait pas 20 balles, hein. Ce serait 40 euros, 50 euros, etc. On se ferait tellement niquer, quoi. Aucun problème chez Free en se disant, non, franchement, moi, j'ai pas de soucis, quoi. Après, ça dépend si tu voyages. Forcément, le seul souci que tu peux avoir avec eux, ça va être la couverture, en fait, tu vois. Et encore, je crois qu'ils externalisent, enfin, ils prennent pas mal de chez Orange, quoi. Ils ont un partenariat, un truc comme ça. Enfin, bon, bref. Free, quand ils sont arrivés, ils ont déboîté tout le marché. Mais c'est, ils ont déboîté tout le marché. Qui s'entendait sur les prix? Ce qui est totalement illégal. Voilà, surtout. T'imagines, sérieusement, là, tout le monde, là, tous les jeunes en train de se
plaindre et tout de leur forfait internet et tout machin. Ils sont tous en train de se plaindre dans leur truc internet. Ils ont pas connu le... Wow ! T'es encore en train de jouer aux jeux vidéo ? Ouais, ouais. Je peux pas téléphoner à ta grand-mère ! Ok. Ah oui, bah oui, non, ça passait par la même ligne, hein. Ouais, non, bah oui, ça, vous avez pas connu, hein. Il y en a plein qui ont pas connu ici. Si, si, j'ai connu. Ouais, non, mais toi, Pong, toi, t'as connu le télégramme, donc... Ah, je veux dire, voilà, quoi. Et jouer à Pong, comme ça. Calmez-vous, je suis plus jeune que vous, monsieur le proviseur. Ouais, mais bon, t'es une femme, donc les années comptent triple. Hein. C'est pas moi ! C'est la société qui le dit, hein. Voilà. Apple ou Samsung, je supporte pas Apple. Je suis complètement anti-Apple, désolé. Après, ça m'empêche pas de l'avoir recommandé à des gens un peu simples d'esprit, tu vois. Genre ma mère, quoi. Ouais. Ouais, ça me paraît normal. Je lui ai dit, tu veux un truc simple qui marche bien ? Ouais, bah paye 2000 euros, là. Vas-y, fais pas chier, prends ton truc, là, ça sera plus simple. Et puis comme ça, quand elle m'appelle, elle fait, j'ai un problème avec mon téléphone. Et du coup, je peux me dédouaner en me disant, ah, je connais pas. Moi, j'ai Android, tu sais, maman. J'ai pas Apple. Appelle ma sœur. Ouais, assez bien réfléchi, quoi. Excuse me, sir, barcode? Yeah. We played with you yesterday. Did you? Mm-hmm. Was it a good experience, or was I a total asshole? Oh, absolutely. No, we played well. Okay, perfect. Il n'y a que 10 personnes qui jouent aux États-Unis, ou c'est... Other than that... Well, but I did, so... I'm happy that, like, you still have, like, the possibility to talk with her, and she tells you and share everything. Ouais, désolé hein, pour ceux qui parlent en anglais, bah allez vous faire voir. Qui peut traduire SVP ? Il m'a dit on a joué avec toi hier et je lui ai dit c'était une bonne expérience et il a dit ouais ça allait ouais. À part que t'as dit que t'avais niqué ma mère, c'est ce qu'il a dit. Et je lui ai dit bah, je suis content que vous ayez quand même une... Que vous parliez entre père, entre fils et mère. Merde, c'est plus drôle en anglais, ok ? Vous aviez qu'à apprendre à l'école. Y'a quoi en haut ? Ying, ça bouge pas des masses, parce que ça a une cadence très basse, en défense, voilà quoi. Si t'as vraiment du mal avec les recoil, bah tu prends des trucs sans recoil, quoi. Et si tu veux savoir si une arme a du recoil ou pas de recoil, à la limite, tu regardes des streams de personnes qui connaissent un peu le jeu, et s'ils ont mis un canon long sur l'arme, c'est qu'elle a pas de recoil. Oh no! Is dead. Le Ronnie ou le Commando ? Commando, je la joue pas. La Ronnie était cool, je crois, de mémoire, non ? Après, c'est une 1.5 aussi sur le... Après, le Commando, je crois que je l'ai jamais joué, la Commando, quasiment. Celle-là, elle est cool parce qu'elle a un énorme... Elle a l'un des ADS les plus rapides du jeu, quoi. Tu zoomes, c'est n'importe quoi, quoi. Tu peux faire des quick shots, t'as même pas besoin de zoomer, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. C'est insane, en fait. Après, elle tire des pépins de kiwi, quoi. Ce qui est un peu embêtant, ça. Si tu mets un castle ici, il y a de fortes chances que tu puisses faire un kill ici, exactement. Est-ce que tu vas ouvrir des cartes Pokémon, Six ? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, je vais ouvrir des petites cartes Pokémon, là, ça me ferait bien plaisir. Et d'ailleurs, je comptais m'acheter un scooter pour aller passer mon brevet des collèges. J'ai besoin parce que mes parents peuvent pas m'emmener, donc ça me ferait extrêmement plaisir. Vous avez quoi à me conseiller en scooter ? Un petit 50, tu vois, qui va bien, avec un petit kit Polini, un truc comme ça, tu vois. Mais t'as cru quoi, sérieusement ? J'étais David Lafarge ou quoi, là ? Je collectionne plus rien, moi. Le seul truc que je collectionne, c'est les trophées. Non, c'est pas vrai, non plus. Merde. T'es chaud pour une partie de Pog ? Putain, toute ma jeunesse. Non, sérieusement. Un jour, j'avais même eu la honte, mais bon, j'y étais allé quand même. J'avais une ceinture de Pog. Non, sérieusement, je dégainais. J'étais le Lucky Luke du Pog, sérieux. Je plaisante même pas. J'avais un Kenny en métal. Mais au moins, là, ça demandait du skill, quoi. Tu vois, enfin, maintenant, là, voilà, quoi. Et puis, je vois pas pourquoi est-ce que Pokémon est devenu un truc hyper rare, quoi. Quitte à jouer au Pokémon, enfin, autant jouer au Magic, tu vois. Les Magic, ça c'est la classe, quoi. S21 Ultra. Non, attends, t'as tout, c'est bon, j'ai pas claqué dans le PEL, quoi. Non, c'est un S21 5G. T'as le Note et t'as le Ultra. Non, mais il est très bien, franchement. Et il est exceptionnel. J'appuie sur un bouton et il s'allume. Ah non, mais ça, c'est déjà une grosse différence par rapport à celui que j'avais avant, déjà, tu vois. Je peux le recharger. Ah, tu vois, ah, c'est ouf. Ah, je sais, ça impressionne.